Alors on va démarrer à l'église Saint-Savinien. Ensuite, on va aller pique-niquer à la salle de la poterne. Après cela, eh bien, on va à la cathédrale. On va passer par la maison Jean Cousin. Et en fait, le public se déplace d'un lieu à l'autre. Bonjour, bonjour tout le monde. Tout le monde ne connaît pas les instruments que l'on joue. Alors je vais profiter d'attendre les musiciens qui ne sont pas encore tout à fait prêts pour vous présenter ces instruments. Je joue de la sitole. La sitole, c'est l'ancêtre de la guitare. Alors on fait un travail sur les instruments. Laurence joue des cornemuses, Hélène du psaltérion, Ludovic du tympanon, moi-même et Barnabé nous jouons des vielles à archer, et puis chacun peut trouver sa place. Obsidienne, c'est aussi la rencontre avec le public. On cause volontiers au public, on lui explique pas mal de nos secrets de fabrication, et donc ça nous donne une proximité intéressante avec ce public. Il fait chaud dans la voiture. Comment ça ? Les deux tables là, c'est chaud. Bon, de toute façon, dès qu'on arrive à la poterne, on décharge tout. D'accord. Par contre, les tables là. On va à la poterne. Bon, allez, à table, à la taverne. C'est une musique festive, le Moyen-Âge. Il faut voir une période haute en couleurs. Les églises étaient peintes. C'est une musique aussi où il y avait beaucoup de personnel, si je puis dire. On a du mal à imaginer aussi aujourd'hui la musique médiévale où il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de musiciens, un chœur. Alors notre but aussi, c'est de faire partager cette musique-là. Donc on la partage avec le public, bien entendu, mais aussi avec les amateurs. Il y a beaucoup de gens qui chantent et que l'on fait chanter. Et c'est pour eux l'occasion de rentrer dans ce monde méconnu du Moyen-Âge. Attention, le premier passé la croix, il est assez peint en bâtiment. Passé la croix, on est du son. Passé la croix, passé la croix. Médiévale, c'est souvent lié à un patrimoine, les églises, les châteaux forts, tout ce qui fait le Moyen-Âge et qui reste encore très vivant chez nous. C'est pour ça qu'on a proposé beaucoup, souvent, des balades musicales qui font découvrir le patrimoine. C'est des petits morceaux, on joue 10 minutes, un quart d'heure, et puis on va d'un lieu à l'autre, d'une église
un jardin, d'un jardin à une vieille maison. Donc ça, c'est aussi un rapport très spécial que l'on a avec la musique et notre public. Pour faire poudre d'hypocras, prenez un carton de très fine cannelle triée à la dent, un demi-carton de fleurs de cannelle fine, une once de gingembre de mèche triée fin blanc. Nous parlons de bien boire, bien manger, et c'est une chose importante de chanter la nourriture céleste et moins céleste.